Salut tout le monde, je vous retrouve après la vidéo que j'ai fait sur mon teint. Je viens de faire mes yeux, j'ai fait quelque chose de très simple mais je voulais vous montrer. J'ai mis un fard gris, mais de chez Yves Rocher, des couleurs nature, quelque chose de très banal. Au coin externe, j'ai mis un fard plus mat, plus foncé. J'ai mis une catrice, mais bon... mettre ce que vous voulez en fait hein. Et alors je voulais vous dire que étant une grosse quiche de l'eyeliner, mais vraiment je crois que j'ai essayé à peu près tous les eyeliners possibles et inimaginables et toutes les façons possibles et inimaginables de les poser, je m'en fous d'être toujours partout, c'était une catastrophe. Je viens de trouver, c'est pas une astuce hein, mais c'est pour moi le truc qui me facilite vraiment la vie. C'est de l'eyeliner crème, la marque, je n'en sais rien, je ne sais plus du tout où est-ce que je l'ai acheté. Tout ce que je peux vous montrer, c'est le derrière, mais il n'y a même pas la marque. C'est marqué Blackout, bon ça c'est le nom. Hein. Mise au point s'il vous plaît, merci. Donc il n'y a pas de marque, je ne sais plus, mais bon c'est un eyeliner. Tu te troubles, au secours. C'est un eyeliner crème. tout à fait banal. Alors je le mets avec un pinceau comme ceci. Mise au point, merci. Voilà. Que j'avais acheté dans la collection des faux Mac. Et impeccable. Alors je viens de faire quoi? Je viens de mettre tout d'abord un trait d'eyeliner rouge. Donc de l'Aqua Cream. Que j'ai vraiment mis assez épais, et par dessus j'ai remis en plus fin un trait d'eyeliner noir. Avant j'aurais été franchement incapable de faire ça, j'aurais bavé partout. Je suis trop contente. Voilà, voilà, c'est juste pour vous montrer ça. Et en dessous j'ai mis un petit trait de crayon cool de chez Bourjois, le Kohl & Cotter Corps les contours, durée 16 heures, c'est vrai qu'il tient super bien. Voilà, alors voilà, c'est tout. J'ai une coiffure qui ne ressemble à rien, n'est-ce pas? Parce que j'ai encore mon bandeau. Je vais le retirer. Non, parce que j'ai pas encore mis mon mascara. Je vais chercher mon mascara. Donc voilà, je vous avais promis des vidéos chaotiques. Voici les vidéos chaotiques. Avec ce qu'on a, un petit peu de mascara. Alors ce que je trouve génial avec cette caméra, c'est que je me vois pas inversée. Ça c'est génial. Donc je peux me maquiller directement avec le retour. Ça me gêne pas du tout. C'est génial. Voilà. Je ne vous le fais pas en tuto parce que c'est vraiment d'une simplicité trop. Vous allez vraiment me dire, elle nous prend pour une imbécile, comme si on n'arrivait pas à faire ça. Donc voilà, je vous ai expliqué comment le faire et franchement, il n'y a rien d'autre à expliquer d'autre. Voilà, c'est comme ça. C'est tout simple. Bon, j'ai quand même retiré mon bandeau qui me donne l'air d'une folle. J'ai fait un petit chignon aujourd'hui, je ne sais pas si vous voyez bien. Je ne sais pas s'il va tenir en fait. Je ne sais pas s'il va tenir, à mon avis non, il ne tiendra pas du tout. Alors, petite tenue du jour. J'ai pas assez de recul. Là, je suis contre mon mur. Donc, je n'ai pas de recul. Et si je me recule, je me recogne dans ma douche. C'est très petit chez moi. Oui, c'est très petit. Je vais essayer de bouger un petit peu quand même. J'ai un gilet, un petit gilet en cuir comme ça. Très court. Hein. Si vous voyez. Voilà. Très, très court. Avec un... Là, j'ai un débardeur noir, tout simple. Et j'ai un pull rayé, rouge et noir. J'adore ces couleurs-là, c'est vraiment mes couleurs. Et j'ai un jeans. Donc là, c'est pas très intéressant, c'est un jeans tout simple. Le rouge et noir, c'est vraiment mes couleurs, j'adore. Voilà, donc maquillage en conséquence aussi, rouge et noir. C'est tout. Il y aura beaucoup de petites vidéos inutiles comme ça. Voilà, maintenant que j'ai trouvé que c'était quand même pas si mal que ça de vous faire des vidéos brutes,
Je vais vous en balancer plein. Ciao, bisous. Je vous adore les filles. Ciao.